C'est ce mardi 21 janvier 2020 que le tirage au sort des éliminatoires pour la Coupe du Monde 2022 dans la zone Afrique a été effectué. Le Sénégal, premier au classement africain, figure dans le groupe H. Les Lions partagent la poule avec le Togo, la Namibie et le Congo. Mais il faudra beaucoup de respect par rapport à ses adversaires parce qu'il y a une équipe comme le Togo qui nous a barré la route en 2006. Il y a aussi un adversaire qui s'appelle le Congo qui ne sera pas facile à manœuvrer. Déjà, on partage la même poule avec le Congo dans le cadre des éliminatoires de la Coupe d'Afrique 2021. C'est vrai que le Sénégal l'a battu, mais dans la deuxième période, on a vu une belle équipe du Congo qui derrière s'est relancée face à la Guinée-Bissau à Brazzaville. La Namibie est peut-être l'équipe la moins forte, mais c'est un déplacement difficile. C'est toujours compliqué de voyager du côté de l'Afrique australe. Il faudra planifier surtout par rapport à la logistique. Un groupe abordable pour les Lions favoris devant les trois adversaires pour avoir été vice-champion d'Afrique et deux fois mondialiste. Mais certains supporters sénégalais craignent déjà les éperviers du Togo qui avaient justement été les artisans de l'élimination du Sénégal à la Coupe du Monde Allemagne 2006. Non, le Togo, on est supérieur. Ah, le Togo d'aujourd'hui, ce n'est pas le Togo de 2006. Il y avait une très belle génération en 2005-2006 avec les Adebayor et compagnie. Mais le Togo alterne maintenant le bon et le moins bon. Mais toujours est-il que c'est une équipe qui sera difficile à jouer, surtout à Lomé. Mais d'un point de vue valeur intrinsèque, cette équipe du Sénégal est quand même supérieure à celle du Togo. Mais comme on dit, ça reste du football. La première journée de ces éliminatoires se jouera du 9 au 11 octobre 2020, alors que la deuxième se déroulera du 13 au 15 novembre 2020. Le vainqueur de chacun des 10 groupes sera qualifié pour un ultime tour en forme de barrage aller-retour. Les 5 vainqueurs de ces barrages prévus entre le 8 et le 16 novembre 2021 disputeront le Mondial 2022 au Qatar.